Salut à toutes et à tous, ici Griska et aujourd'hui on va voir une manière facile, efficace, surtout très rapide, de régler le ratio des photos que l'on montre à l'écran, dont on se sert comme incrustation. Vous voyez ici, il y a un ratio avec des bandes noires sur le côté. On peut se retrouver avec des bandes noires de type cinématique, ou on peut littéralement se retrouver avec un tout petit cadre visible, mais qui comporte d'énormes noirs sur les côtés. Dans les faits, ça ne pose pas un gros problème, car lorsque l'on se trouve au premier plan et que l'on vient déposer ce type de photo par-dessus, il ne reste plus qu'à la déplacer pour avoir notre incrustation pratiquement finie. Et de manière générale, cela fonctionne avec à peu près tout et n'importe quoi, ce qui vous évite de devoir faire un crop pour ajuster votre image. Mais si par exemple vous n'avez pas spécialement besoin de vous montrer derrière et que vous avez décidé de mettre toutes ces photos au premier plan, il existe une solution facile en un seul clic. Pour ça, on s'assure que l'inspecteur est bien ouvert. On va dans la bibliothèque d'effets. Moi, je vais supprimer l'ancienne timeline. Voilà. Et donc, soit vous sélectionnez comme ceci tous vos fichiers et vous assurez que ça s'ouvre bien dans l'inspecteur. Soit vous cliquez quelque part ici et vous appuyez sur CTRL A. Vous cliquez sur vidéo, vous descendez tout en bas. Vous allez dans Retime and Scaling, Scaling ou Échelle. Vous cliquez et vous allez sur Fill ou Remplir en français. Une fois que c'est sélectionné, vous allez voir que toutes les photos que je vais mettre maintenant, alors qu'on voyait ici qu'il y avait des bandes noires à l'origine, celle-ci n'en a plus non plus. Et même celle qui avait un énorme crop, maintenant on va pouvoir faire une petite animation au bas avec. Regardez, donc, la positionner tout en bas au début. J'active un keyframe. Je vais à la fin du clip. Pour ça, j'ai juste appuyé sur la touche bas du clavier directionnel. Et je remonte tout en haut. Voilà, là c'est parfait. Ça simplifie grandement les animations par la suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, à la prochaine !